Ah non, il est à domicile du coup d'Arketo. Voilà. Il est pas, c'est pas neutre. On rigole toujours. Non mais stage neutre, ça va tout le monde. C'est une blague que j'aime bien. Contre Wario. Bref, on a Falco contre Wario, d'accord. Oui, contre Wario, parce que Wario, c'est quand même un peu... C'est pas évident à combo, pas évident à edgeguard, c'est pas évident ouais, à... Là, à mon avis, ça va surtout chercher des piou-piou pour empêcher d'avancer et les classiques optiques. Ouais, après, le problème, c'est que s'il fait piou-piou, original, il va être très content de tremper, hein. Bah là, regarde, up-shield, repère, nerf, ok. Hein. Le piou-piou, non, pas le piou-piou, c'était un nerf, ok, on a voulu overextend. Ok, d'accord, on a quand même pris 51% en moins de, en quelques secondes. Hein. Ouais, alors après, Wario, hein, le Wario, on rappelle qu'il a l'avantage, là. Il a l'avantage. Il est devant. Bah, pour l'instant, non, pas vraiment. Ouh, l'étincelle, j'ai regardé les vidéos de Dash Prof, je sais ce que c'est une étincelle. En fait, c'est quand vous tapez... un personnage à un pixel près, il y a une petite étincelle qui se fait sur le niveau du corps, il n'y a pas de dégâts, mais il y a une petite animation, c'est très marrant. Enfin bref, ça c'est pas très important. Et le EB pour se sortir de la phase, ok. On reprend le centre du terrain, le F-tilt avec un... Ok, ou ça EB, pourquoi pas pour la tech chaise. À mon avis, Boston a dû voir la vidéo d'Asie, enfin sur Falco. Ok, 106%. Et... On fait un big up à Asie, hein. Big up à Asif, on a réussi oh, à le cheese. On a réussi à cheeser avec un petit drag down fer. Hein, écoute, ça s'appelle taf. Hein, écoute, j'ai un peu mal au cœur pour. Il avait qu'à pas utiliser sa moto inopinément. Écoute, hein. Et bon, on continue d'être les combos, hein, les combos automatiques de Falco. Et les Falco nous ont vendu que le fait que le fer déconnecte pas, c'était juste un problème. Hein. Non, c'est bien plus qu'un problème. C'est une affaire d'état. Une affaire d'état parce que c'est un scandale. Même quand ça déconnecte pas, c'est scandaleux. Mais enfin bref, ok. Voilà, claque de daron, allez, dans ta chambre. La claque, allez, on retourne au nid. Hein. Nid, pas de cadeau de Noël. Allez, c'est ah, c'est cool ça. En plus, à même pas 10 jours, là, à une semaine de Noël, en fait. Ouais, hein. Bah, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as prévu pour Noël, toi? J'ai prévu un tiramisu crème de marron. Parce que voilà, c'est incroyable, c'est bon le chocolat. La crème de marron, c'est encore plus bon. Ah, je sais pas, j'ai jamais goûté le marron. Moi, je sais juste que je sais qu'il est petit et marron. Oh là là, putain, la tech manquée par Leto qui aurait pu. Ça n'a pas été suivi par original, c'est fort. Par contre, là, Leto, il va falloir. Leto se resserre. Il tue. Oui, allez, je valide. Je valide. Bon, pour, si vous voulez des bons jeux de mots, faut m'avoir au cast. Hein. Voilà, on aime bien Polar, hein, sauf son perso. Ah. Mais tu vois, l'avantage, c'est que les Yoshi ne dribblent pas, tu vois. Les Yoshi sont très honnêtes sur leur perso. Alors, sur ton mensonge, il y a une stock qui est partie. Avec un. Ah, petit, il est à kill pourcent. On rappelle que Leto est évidemment à kill pourcent. Mais là, c'est le P. Toi, je t'ai dit qu'il était devant. Il a trouvé à partir du moment où il a commencé à briller, où il a commencé à avoir de gros gaz dans son petit pantalon. Pour que Leto ne brille pas constamment. Et il faut mettre une pause, mon cher Polar, s'il te plaît. C'est quelqu'un de brillant. Il ne faut pas faire de stream, de commentaires aussi polarisés, tu vois. Et non. 1-0 donc pour. Voilà. On aime les jeux de mots ici. 1-0 pour Original. C'est live update, ok. Est-ce que ça va passer sur. Oh, ça ne va pas passer sur un Pokémon Trainer. Ça va garder son Falco. On croit en la voix du pigeon de l'espace. N'est-ce pas? C'est stylé, là. Je lui dirai, hein. Dirais que tu joues un pigeon. Dirais à Leto, tu joues un pigeon. C'est pas ça, oui. Et pour si jamais vous aimez bien Dress of the Wild, au petit Rivali de merde, hein, on l'aime pas Rivali, même s'il a le meilleur thème de tout le jeu. Mais enfin bref, 53% pour Leto, avec une bonne phase d'avantage original. Apparemment, ça lui a fait du bien de respirer l'air pollué de Boston. Oh, je suis tellement coquin. Ok, et le backer en jeu. Est-ce qu'il est pas foutu? Non, ça. Ah, c'est dommage. On a bien mixé parce qu'on pensait que Leto allait forcément devoir passer par son hobby. C'est ça. Et en fait, il a gardé son saut. Il a eu l'intelligence. Il a pu revenir avant et du coup. Il a eu l'intelligence de jeu de garder original, son. Original, il n'a pas eu le temps de ce setup pour. Le neutral B, ça ne va pas tuer. Mais là, enfin, le side B, d'accord, on remonte tranquillement, le fer. On reprend le centre du terrain avec Falco. La claque de Deron qui va se prendre comme ça. On est à l'autre bout du stade. Donc ça ne tuera pas. Et là, par contre, ce donner, là, cette fois, on a pu intercepter ce bi. Non, original, il sait ce qu'il fait. Vraiment, il voit le Falco, le Falco offstage. Il sait que sans le side B, c'est beaucoup moins difficile d'aller chercher. Il en a profité. C'est compliqué pour notre ami Leto. Et ça a bien marché. La preuve en est que il gratte. Il y a toujours ces trois stocks. Ça semble un peu difficile pour Leto. Ok, on va essayer de l'échappe. Alors, le donner qui n'est pas passé, j'imagine, là, c'est
pas grand chose. Est-ce qu'on pourrait voir en mid-waft, tu penses, si jamais il y a le mid-waft est tout à fait possible, ouais, mais je pense que c'est plus du genre d'original. T'as de l'avance, tu veux garder. De garder le gros toz, tu vois. Ok, là on revient tranquillement. Le backer qui est pas passé, dommage, on a tenté d'intercepter. Ouais. On l'a vu, hein, ce backer, si ça passait, c'était le kill. Et c'était sans doute trop compliqué derrière pour les taux pour revenir. Mais ce backer n'est pas passé, heureusement. Okay, il a du mal pour à le Falco. Il a du mal à trouver l'ouverture. Une fois, le backer, là on a vu, hein, on l'a vu sauter pour placer un backer, mais malheureusement il n'est pas passé. Le petit wheel, ok. On prend, ok. Oh, il était amoté, il avait peur que de se retrouver en off-stage. Bah, il a 130% quand même, hein, un coup. Par contre, ce backer qui a réussi à surprendre les taux, et là, ça va être très difficile. C'est pas impossible. Il suffit d'un ça combo. Ça tue pas, Falco, ça tue pas. Non. Oh là là là. Oh, et on tue Waffs quand même derrière. C'est honteux. Ça, c'est honteux. Salon. Honte. Bouh. Non, c'était très bien joué de la part de Bravo à lui.